D'abord, je devais transmettre le message de Son Excellence, Monsieur le Président Joseph Kabila Kabange, qui m'a chargé de faire parvenir à son homologue et frère, le Président Alassane Ouattara. De manière substantielle, c'était d'abord un message de fraternité qui devait transmettre, mais aussi en deuxième lieu un message de félicitations pour le progrès économique et sociaux remarquable que le président Alassane Ouattara est en train d'enregistrer depuis un certain temps ici en Côte d'Ivoire, mais aussi d'une manière spécifique dans la sous-région. Que vous le sachiez, l'Afrique tout entière suit de très près la reprise économique significative de la Côte d'Ivoire et le replacement, en tout cas en tête d'affiche, de la Côte d'Ivoire dans la sous-région. Et troisièmement, le chef de l'État de la République démocratique du Congo m'a chargé de renouveler sa vision d'avoir une relation stratégique entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. Et là-dessus, nous pouvons vous rassurer que nous avons reçu une réponse très très favorable du président de la Côte d'Ivoire pour, en tout cas, une relation stratégique avec la République démocratique du Congo.